chez moi, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et oui, on termine cette première journée de la route 2015 avec une sacrée star. Eh bien oui, c'est Le Havre, l'étalon vedette du haras de la Cauvinière. Il est très coquin. Et on va tout de suite aller voir Mathieu, qui va nous donner un petit peu des nouvelles du haras. Une année incroyable, 2014. Est-ce qu'on rappelle Ecto? Est-ce qu'on rappelle Avenir Certain? Bon, quoi de plus? On va essayer de faire la même chose, mais la barre est haute. Non, on a vécu une année extraordinaire, évidemment, grâce aux chevaux élevés à la maison, aux chevaux achetés aussi par Sylvain et M. Augustin Normand. Et puis, évidemment, Le Havre, qui avait sa première production, qui a eu 3 ans en 2014. Tête de liste des pairs de 3 ans en France. 10 chevaux de steaks en une année. Voilà, extraordinaire. Un cheval améliorateur qui a pu produire Queen Bee, très bonne lauréate du prix du Calvados à 2 ans. Mais aussi, évidemment, Avenir Certain, élevé ici, qui a gagné la poule et le prix de Diane, et puis Auvray qui est le meilleur stayer. Enfin voilà, une production très versatile et on est vraiment ravis et privilégiés de l'avoir chez nous. Rappelle-nous un petit peu où est-ce qu'on est ici, comment marche le haras de la Cauvinière? Alors le haras de la Cauvinière, il y a 230 hectares, on a une jumenterie évidemment en interne, plus on fait de l'élevage pour les éleveurs sans sol. Voilà, il y a 4 cours indépendantes les unes des autres, dans un périmètre d'environ 5 km, donc c'est, d'un point de vue sanitaire, ce qui est plus facile pour ne pas avoir les chevaux concentrés tout au même endroit. Voilà, on a 2 cours pour les yearlings, une pour la jumenterie et une cour des talons dans laquelle on est. Voilà, donc la cour des talons où on retrouve évidemment Le Havre, accompagné de Archif Marshall et Raj Daman. Oui, le cas Le Havre, l'histoire Le Havre. Quel fabuleux destin, en effet, que celui de ce fils de Nauvert qui a fait découvrir la casaque de Gérard Augustin Normand, nouvel homme fort des courses françaises à l'occasion de sa victoire dans le prix du Jockey Club 2009 sous la selle de Christophe Lemaire et l'entraînement de Jean-Claude Rouget à qui il a porté un trophée tant attendu dans cette épreuve. Il a aussi fait connaître le haras de la Cauvinière avec, en tant que station d'étalon en 2010, on attendait avec la plus grande impatience sa première génération de 3 ans en 2014. Elle lui a permis de démarrer sur les chapeaux de roue, premier étalon français, toute génération confondue. Tout cela grâce notamment à sa championne Avenir Certain qui réussit le doublé poule d'essai des pouliches prix de Diane, mais aussi beaucoup de vainqueurs et au meilleur niveau. Auvray gagnant du Chaudenay, puis Top Price des ventes de l'Arc. Citons également Queen Bee, gagnant du Calvados, à 2 ans, car il fait aussi des 2 ans, comme lui l'était d'ailleurs. Orbeck, gagnant du Grand Prix de Clairefontaine. Summer Surprise, qui a été vendu très cher ensuite à Deauville, après avoir gagné le Grand Prix du Lionanger Listed. Laoguette, Crisol, Saan et tant d'autres. Le Havre, 20 000 euros en 2015, l'un des 3 étalons les plus commerciaux de France. Avec Siluni et Ken d'Argent, Le Havre, l'histoire continue. C'est le double tenant du titre du Rocco d'Or. 184 juments saillies l'année de ses débuts en 2013. Raj Saman a conservé son titre en 2014, celui de l'étalon qui a sailli le plus de juments dans l'année. Pourquoi cela? Car c'est le dernier fils de l'Inamix, c'est ça, les éleveurs adorent évidemment les produits de ce chef de race français gris. Une carrière formidable. 4 victoires de groupe, les prix Daniel Wittgenstein et prix du Muguet pour les groupes 2, le Perth et le Fontainebleau, préparatoire à la poule d'essai en ce qui concerne les groupes 3. Puis une victoire de Listed à Lyon à l'âge de 2 ans et puis des places de groupe 1. On retiendra notamment sa 3e place dans le prix d'Ispahan, juste derrière Goldikova et Cyrus des Aigles. Voilà. En plus, c'est le pain pédigree maternel Lagardère qui va bien, comme dit l'expression. C'est le cousin de Rosanara, gagnante du prix Marcel Boussac, groupe 1. Raj Saman, très soutenu d'ailleurs par le haras de la Cauvinière avec ses premiers foals en décembre 2014 à Deauville. Le haras de la Cauvinière qui adopte un peu la même méthode qui a si bien marché avec Le Havre en soutenant les talons sur les ventes et l'adapte donc avec Raj Saman qui aura ses premiers yearlings en 2015, année où il fait la monte à 4000 euros au haras de la Cauvinière. Derrière l'inapprochable Siyuni, Archif Marshall a terminé 2e du classement des 2 ans pour les étalons représentés par leur première génération en 2014 au nombre de vainqueurs. Il en a eu 10, 14 pour Siyuni. Voici le premier bilan obtenu par Archif Marshall. Une année cruciale pour Archif Marshall en 2014, ce fils de Daniel Dancer avec une mère par warning, très signé pour fabriquer des 2 ans. Lui-même avait gagné groupe à l'âge de 2 ans. Il a tout
son modèle, ses performances et sa famille pour faire de la vitesse et de la précocité. Cet examen de passage donc a été franchi par Air Chief Marshall. Il attaque l'année 2015 sur le bon pied. Ainsi, Joko, un 3 ans, a remporté le 19 janvier 2015 une épreuve dans un bon style sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Air Chief Marshall fait la monte à 3 000 € au haras de la Covinière aux côtés de Raph Saman et Le Havre pour la saison 2015.